Xavier Demoulin, un habitué, on va dire, des écrivains chez Gonzague. Habitué, je sais pas si je suis venu 3 fois, c'est une habitude 3 fois. En tout Oui, cas, à quand chaque même. fois que je viens, je suis très heureux d'être là. Et je trouve que c'est un très bel endroit, avec des gens très sympas, avec des bénévoles merveilleux qui donnent de leur énergie, de leur temps pour perpétuer cette tradition. Et je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment très chouette. Je suis très reconnaissant à tous les bénévoles de faire le boulot qu'ils font. Gonzague, un Évidemment. homme que vous appréciez. Ben, Gonzague, je l'ai rencontré, j'avais 13 ans. Donc voilà, après on s'est un peu perdu de vue. Je l'ai retrouvé grâce à l'écriture. On s'est recroisé dans différents salons. C'était un personnage, un personnage unique, singulier, à part, original, fantasque, créatif. Et puis quelqu'un d'extrêmement sincère et engagé dans tout ce qu'il faisait. Voilà, donc bah, évidemment qu'il nous manque. Bon. Là, aujourd'hui, un nouveau livre. Pouvez-vous nous le présenter, ce livre? Ben alors, ce livre s'appelle Mon garçon. Il est sorti au mois de janvier chez Flammarion. C'est l'histoire d'un père qui n'a pas vu son fils depuis 2 ans parce qu'il est parti vivre au Canada et qui s'est séparé de la mère. Et un jour, la mère de son fils, Marcus, l'appelle pour le prévenir qu'il a eu un accident. Donc il rentre dardard à Paris et il va emmener son fils en voyage pour essayer de se rééduquer après son accident. Et il va, pendant tout ce voyage, essayer de renouer le dialogue avec son enfant qu'il a perdu de vue pendant ces longs mois Alors d'absence. j'aime bien cette la photo qui représente une station-service, une voiture et Et un garçon. ouais, un garçon. Elle est signée Théo Gosselin. C'est une photo qui a été prise au Mexique. Je précise que le livre ne se passe pas au Mexique. Et je trouvais qu'elle a incarné cette part de mystère et de poésie que j'avais envie de mettre D'inconnu en aussi avant. Et peut-être. d'inconnu, exactement. Exactement. Quand je l'ai vue avec mon éditeur, elle s'est imposée comme la photo du bandeau. Vous savez, quand vous faites un livre, après, il faut trouver une image qui donne envie, illustre en tout cas, et c'est tombé sur celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'en pensent les lecteurs qui viennent vous voir là aujourd'hui? De la photo, du Du livre ou de livre, là? S'ils viennent me les deux. voir, c'est qu'en général, ils l'achètent, donc ils ne l'ont pas encore lu, donc en tout cas, ils sont curieux. Et puis, ceux qui l'ont lu, bon, ben voilà, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de retours qui m'ont touché d'ailleurs sur cette expérience, parce que finalement, le langage, trouver les mots, retrouver un enfant après un temps d'absence, ben, ça parle à pas mal de familles. Et moi, j'aime bien travailler sur les liens familiaux, sur ce qui nous unit, nous, les parents, les enfants, et cette part de mystère. Qu'est-ce qui nous sépare? Qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve, qu'on se perd de vue? Pas nécessairement pendant 2 ans, mais. Et puis c'est quand même mystérieux. La famille, c'est un terrain extrêmement romanesque. Ouais, et puis en ce moment, c'est important la famille. Hein. En ce moment, c'est important la famille, mais je pense que le plus important, c'est de faire famille avec soi. C'est encore plus important que la famille, parce que si on arrive à faire famille avec soi, on arrive à être encore meilleur avec les autres. Sa famille, ou sa famille en devenir, ou ses amis, ses collègues. Voilà, c'est faire famille avec soi. C'est bien, non? C'est vrai, Hein? c'est vrai. Ça vous plaît, ça? Ça me plaît. Hein? C'est une belle idée. La rentrée pour Xavier Dumoulin sur M6. Eh ben, ça a repris dès lundi dernier déjà. Vous savez, ça, le, sur M6, le journal ne s'arrête jamais. Et donc, quand on s'absente, il y a toujours quelqu'un, une autre équipe qui prend le relais. Et puis, on est une équipe soudée, déterminée, contente de continuer cette aventure. Et puis, 66 minutes aussi, qui a repris ce week-end, qui est à l'antenne aujourd'hui pour le premier numéro d'une nouvelle saison d'Inédit. Félicitations parce que votre journal est très dynamique. Et ben c'est très sympa. Je vous dis, c'est un travail d'équipe et j'ai de la chance de partager mon travail avec des gens exceptionnels. Xavier Dumoulin, merci beaucoup. Merci à vous. Merci.